l'État est un acteur parmi d'autres qui apporte effectivement des solutions d'accompagnement du retour vers l'emploi, qui cofinance les contrats aidés, l'apprentissage, etc., ou qui prend des dispositions réglementaires, mais qui seul, justement, ne pourrait pas aider à résoudre le problème de l'emploi, alors même que celui-ci est complètement transversal, concerne tout le territoire national et concerne toutes les catégories de la population, tous les âges de la population dite active. L'important de ce salon pour l'emploi en Martinique, et ce qui m'a particulièrement séduit, c'est l'approche concrète qui est faite des partenaires, et c'est la capacité à rassembler la totalité des partenaires qui ont leur mot à dire dans la mise en œuvre d'une politique pour l'emploi. Et donc c'est une approche concrète, collective, d'où peut émerger aussi des dynamiques assez intéressantes en termes de méthode, d'aller vers, de captation d'un public parfois éloigné de l'emploi. Voilà, c'est tous ces aspects qui m'ont séduit dans ce salon. Les chefs d'entreprise, ils ont un rôle clé dans le développement économique. Mais ils ont un rôle clé d'abord parce qu'ils investissent, parce qu'ils innovent, parce qu'ils peuvent aussi accompagner la formation des jeunes. Et nombreux sont ceux qui s'impliquent dans cette démarche. Parce que de plus en plus, je crois, et c'est ce que je retiens de mes différentes expériences professionnelles, on ne travaille plus seul, chacun dans son tuyau d'orgue, si j'ose dire. Et on sait qu'on doit aller chercher ailleurs de l'expertise pour compléter sa propre expertise et créer une dynamique, une intelligence collective qui dépasse ses propres compétences. Et ça, c'est un appel aux chefs d'entreprise martiniquais que de s'inscrire dans cette logique au bénéfice de ce territoire.